Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de cake marbré sans gluten et sans lactose. Une recette gourmande et un cake moelleux, facile à faire. J'espère que la recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 220 g de farine de riz, 4 œufs, 100 g de sucre, vous pouvez en mettre au moins si vous voulez, 10 cl d'huile. Un pot de yaourt nature végétale, j'utilise la marque Sojade, c'est un yaourt végétal nature à base de soja que vous pouvez trouver en magasin bio. 10 g de cacao en poudre, un sachet de levure chimique sans gluten, 2 sachets de sucre vanillé que vous pouvez remplacer avec de l'extrait de vanille. On commence par mélanger les œufs, le sucre et le sucre vanillé. On mélange bien. Ensuite, on ajoute le yaourt nature végétal. On mélange à nouveau. On ajoute l'huile. J'ai utilisé de l'huile neutre, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou de l'huile de noix. Et on finit par ajouter la farine de riz et la levure chimique sans gluten. On mélange bien une dernière fois. J'ai versé un tiers de la pâte dans un autre bol et j'ajoute le cacao en poudre. Je mélange bien jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Et ensuite, je peux verser ma première pâte nature dans un moule à cake. J'ai juste mis du papier cuisson à l'intérieur. Et je finis par ajouter par-dessus la partie chocolatée. Avec le bout d'une petite cuillère, je vais donner l'aspect marbré. Et je finis par enfourner à 170 degrés, 30 à 35 minutes. Voilà la recette d'aujourd'hui, un cake marbré sans gluten et sans lactose, facile à faire pour un bon goûter, bien gourmand. J'espère que cette recette vous plaira, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!